Il y a juste à regarder ma note sur Letterboxd pour le savoir. Pétard, faut que j'aille voir. À 20h30, je souhaite bonne nuit à mon collègue. Je lui ai promis, je ne peux pas oublier. Ah oui, non, bien sûr. Mais un petit rappel, une petite alarme, quelque chose. Attention. Continue, y a pas le temps. Y a pas le temps. Je veux continuer. C'est moi pire. Je sais plus du tout où on en était par contre. Il faut que je rejoigne MJ à Central Park. Ah. Ok. Bah merci pour le rappel. Ça fait plaisir. Bon, c'est toujours aussi agréable. Attention. Avis à tous les agents. Des terroristes masqués ont pris la fuite à bord d'un fourgon. Voilà, faut reprendre un coup le. Faut reprendre un peu le coup. Ils sont où les cons là? Vous me déposez? Hop! Alors, clique de psychopathe masqué. Hop. Livraison de villa. Voilà, cassez-vous là, vite fait là. C'est qu'on peut pas arrêter un véhicule normalement, il faut absolument se mettre en danger. Vite. Il y a une bombe dans le camion. Oui, j'ai vu. Je dois l'éloigner du civil. Et où, monsieur? Putain, mais c'est qu'il est coriace, hein? Ah, quand même. Zam! Par contre, l'autre, il est passé. Il est passé à côté de moi, il m'a pas du tout aidé, quoi. Il m'a absolument pas aidé, le soldat d'à côté, là. Ici Centrale de Sable, tenez-nous au courant de la situation sur Museum Mile. Besoin de renfort à l'avant-poste Foxtrot, on se fait canarder. Comment ça? Je sais pas où c'est, sinon je serais venu, mais... Voilà, j'ai pas prévu ça. Où est-ce que tu te caches, MJ? Oh, le costume, il est magnifique. Oh non. Ah, c'est pas une bonne... Ah, c'est pas... 15 minutes plus tôt. À chaque fois, elle est dans la merde. Et nous, on arrive, et ça fait 15 minutes plus tôt. Voici comment elle s'est mise dans la merde. Comment tu comptes le contacter? Très, très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Moi, je suis plus loin que toi dans le jeu. Bah, j'espère bien, oui, j'y joue une fois par semaine. J'espère, Arthur. On va voir si les leurres que m'a donné Peter fonctionnent. Oui, c'est vrai qu'on lui a donné... Hop, hop. Petite doudoune, MJ, hein. Petite doudoune. Ce trou dans la barrière est tentant, mais il faut d'abord que j'éloigne le garde. Bien sûr, évidemment, évidemment. Oui, on peut le mettre là aussi, mais... Qui a eu la bonne idée de mettre c'était quoi, ça? Je dois filer. J'ai commencé il y a 2 jours. Oui. Et moi, je peux y jouer 3 heures et j'y ai joué 2 fois. Je peux faire des sessions de 3 heures et j'y ai joué 2 fois. Bouge pas. Oui, oui. Notre invité, ça doit être Standish. Il est là quelque part.
Allez voir genre la base si j'y suis. Allez voir genre là si j'y suis. C'est super. Personne me voit, personne me voit, personne me voit. Je suis discrète. Discrète. C'est moi. La discrétion, c'est moi. Utilisez mon appareil photo. Supprime tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. Standish court un grave danger. Oui, j'ai l'impression, oui. Standish, j'en étais sûr. Il faut que j'accède à cette tente. Mais c'est Standish qui l'a menacé avec un gun ? C'est bon. Il a rien compris, lui. Lui, il a rien compris, lui. Oh non! Il fait tout noir! Ça va pas l'occuper longtemps. On en est où? Le convoi est bientôt prêt? Tout se passe comme prévu. Dès qu'on reçoit l'ordre, on emmène Michaels dans un autre lieu sûr. Il le déplace. Je dois découvrir où avant qu'il nous échappe. Pas une bonne idée, ça. Non ! Ouais, non, je me suis dit, là, c'était osé, je me suis dit, avec un malentendu. Bon, d'accord. C'était peut-être un peu osé, ouais, un peu trop. C'était peut-être un poil trop osé. Posé. Oh non, le générateur. Toujours il grille le générateur. Toujours on a besoin d'électricité, jamais, jamais on en a, tu sais. Trop chiant, eh. Oh. Hop. On en est où? Le convoi est bientôt prêt. Tous. Viens, va voir là-bas si j'y suis, toi. Voilà, toi. Regarde genre bien par là, là. Voilà. Ce camion n'a rien à faire là. Yo yo wobo. Le camion va se déplacer. Je devrais me cacher derrière. Ok, 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 ok. Hop, hop, hop. Oui, derrière, sur le côté, tu veux dire, ma grande. Hop, hop, hop. Hup, hup, hup. Barbatruc. Salut Coco, comment il va celui-là? Comment il va le Cox? Mal dit. Hop. Pas sûr du surnom. Ouais, non, je comprends. Mais ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Ça va super parce que je joue au meilleur jeu du monde. Ça a l'air important. Des planques. Si le docteur Michael se trouve dans l'une d'elles, Standish c'est peut-être laquelle. Oui, bobo. C'est qu'il y a du monde ici, dites. Hop, il va être tout noir. Hop, hop, hop. Oh, dis donc, on voit plus rien ici ou quoi? Ah, j'aurais dû passer derrière le camion, c'est ça? C'est trop simple, le camion, c'est trop simple. Hop. C'était chaud. Mais non. Ah, t'es contrôlé. Oh, tous en même temps. Allez, allez. Ok, monsieur. Ah merde, c'est là qu'il faut que j'aille. Wose Bobago. Peter en a donné beaucoup de leur, hein, dites. Le coq? Ou une autre orthographe? Ouais, c'était... Ouais. Oh, du coup, Belgianisme, Coco, Arthur, demain après-midi.
Ou en Charles début Stanley. De soirée, genre 17h. Je sais pas, on verra, genre entre 15 et. Morgan, soit 15h, soit 17h. C'est leak, vous en. Est-ce que ça vous dit du petit. Est-ce que ça vous dit du petit Disney Speedstorm, du petit Gartic Show, tout ça? C'est ça. Non. S'il veut me tuer, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste. Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. Je suis chaud, let's go. Mon spectateur. J'ai entendu votre nom aux infos. Je suis là. Ok, bon. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michael dans Sable, le c'est à chier comme nom. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grande Centrale. Grande Centrale? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi, Charles? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grande Centrale? C'était... Qu'est-ce que... Charles! Oh! Ça c'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Ok, faut non, y aller. Attends, il a une info! Un peu ruiné le truc là. Gartic Show, c'est la version où on devine ce que toi tu dessines? Ouais! Les tenues, non mais la tenue est insane. Hein. Elle a pas l'air ouais, contente. C'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. J'y ai pas contente. Elle a pas l'air contente. Ok, niveau 23, ok. Et au fait, une dernière chose. Désolé Charlie, t'as comme un mec, tu piétines mon travail d'approche et tout ce que tu trouves à dire c'est désolé Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça? Quoi? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu. Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés. Tu sais quoi? On peut changer de sujet là maintenant, s'il te plaît? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le Dr Michaels? Bien. Michael se trouve quelque part dans le Bowery. Sable le transfère ailleurs. Tu me traites comme une gamine. Tu viens littéralement de te faire menacer par un flingue en t'introduisant dans un camp militaire avec plein de gens super armés. C'est vrai que c'est... Demain midi. Peut-être un peu risqué, quoi. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de risque. Rien d'autre? Pas mentir. Il a pas dit un truc sur Grande Centrale avant que je déboule? Il a... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker, waouh. Parker, ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué, monsieur le super-héros. C'est quoi le boom, là? Ah, c'est le... Je suis sur les nerfs. Je vais patrouiller un peu, ça va me détendre. Oui, c'est la course à la bombe. C'est quoi le boom? A peut-être oublié ce qu'il... Les bombes ne vont pas c'est... se désamorcer. Non, est-ce que c'est lui qui la sauve quand elle fait n'importe quoi? Je préfère Gwen aussi. Faire largement Gwen. Merde, il y en avait une juste là. Son père. Ok, celle-là, c'est bon. J'ai loupé. Non, raté. Plus. Corinne, dépêche-toi. Plus. 10 secondes. Vous pouvez faire quoi, mon fils? J'aurais pu faire mieux. Ah ouais, là, j'aurais pu faire mieux, là, je suis d'accord. C'était pas mon meilleur, là. Qu'est-ce qui se trame ici? Tombstone? Sur la brèche. Vas-y, hein. Et vas-y, hein. Tant que je suis là, je devrais examiner les metteurs trouvés par MJ? Ouais. Ok. Allons-y, alors.
Si j'arrive à le démonter et à l'inverser, il devrait mener aux cargaisons de Tombstone. Ok, va falloir réfléchir la team ou quoi là, un petit peu là, le cervelet alors. Il est où le cervelet là? Le cervelet il est là. Bam. Moi là je me dis directement out of the bat. Là on se met un petit kikounou comme ça. Laisse-moi faire. Ah non. Ok, j'ai rien dit. Attendez. Hop. Simple fréquence radio. Trop facile. Trop facile, mon ref. Hop. Il faut combien à l'arrivée? 5. Hop. Ah non, j'ai pas mis le bon en fait. Hein. Hop. Hop. Pourquoi là ça passe pas? Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Let's go. Hop. Et non, ça va pas être le bon non plus. Donc là, je me suis trompé, c'est ça que vous me dites. En fait, il faudrait le faire comme ça. Comme ça. Là, on est à 3. Ah, ok. Hop. Ah non, pas ok, en fait, je suis bête là. Hop. Là, on se met à moins... Ok, je recommence. Le bon sens, s'il te plaît, oh le ref. Là, je me suis encore trompouette là. Ah ouais. Il est où l'autre comme ça que j'ai mis là? Il est là. Moi, je pensais faire ça. Into ça. Et puis into ça. Et quasi bien. Bah ouais. Moi, je pensais faire ça, mais en fait, là, du coup... Comme j'ai l'impression que je suis un peu... Ah, mais non, je suis trop... Mais je suis trop con. Voilà. Je suis trop con. En fait, mon principal défaut, c'est que je suis con. Marché. Mon principal défaut, c'est que je suis con comme un bac à sable. Par contre, le fait qu'on puisse courir. Merci, parce qu'il y a plein de jeux où on aurait été stuck à marcher comme ça. Le fait qu'on puisse juste courir, trottiner, tu vois, dans le bâtiment. Là, d'accord. Super. J'ai plus qu'à suivre le signal. Il devrait mener à ce que Tombstone est en train de déplacer. Tombstone. Ce type est un vrai cauchemar. Peau imperméable, et morale inexistante. Du pur plaisir. J'espère qu'il mijotera une pierre que son garage clandestin. Ça m'étonnerait. Si tu veux mon avis, mon petit pet, ça m'étonnerait bien. Ah, je suis coincé dans un cage d'escalier. Le signal est faible. C'est
Toi, t'es faible, ouais. Putain, mais le signal se re-en va, là. Ah, je le perds. Oui, c'est un truc en mouvement, d'accord. C'est ce que je pensais, là. C'est ça. Là, le camion. Ok. Alors, on se fait une petite virée. Je vais pas l'avoir. Oh, si. Oh, c'était chaud. Non, c'est Spider-Man. Oui, c'est moi. C'est moi, c'est Spidey. C'est moi. Oh, la moto. Bah, il est mort. Oh là. Oh, wow, wow. Elles sont en sucre, les motos, ou... Bim, bam, boum, hop. Hop. Il meurt encore une fois. Encore un mort. Je suis désolé, hein. Ah non, là, il est mort. Voilà, là, on est bien, là. Non, salut bande de Shiny Bogos Chromatique, salut Mootman, comment il va? Comment il va celui-ci? Des containers chimiques. Nettoyés à fond. On dirait qu'ils viennent de l'usine Alchemax à Harlem. Qu'est-ce qu'il... Les fameux Alchemax. Et ce son marque la fin de notre épreuve chrono. Je devrais jeter un coup d'œil chez Alchemax pour découvrir ce que contenaient ces barils. Tombstone mijote quelque chose. Sans doute il les guette. Ah bien, et toi, bah écoute, ça va super, je joue au meilleur jeu du monde. Peter, je m'apprête à lancer un test là. Où es-tu? Ah, désolé. Une panne de bus et aucun taxi disponible. Mais j'arrive dès que je peux. C'est le Daily Bugle. Daily Bugle. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Confirme, j'adore ce jeu. Ah non, mais vraiment, c'est une dinguerie. Hein. C'est la mère de Miles. Allô? Monsieur Parker? C'est Rio Morales. Je voulais vous remercier d'avoir trouvé un emploi à Miles au refuge Fist. C'est un plaisir. Et appelez-moi Peter. Monsieur Parker, c'est... Ça irait mieux à quelqu'un de plus posé que moi. Je dois vous avouer qu'il a hésité. J'ai fini par lui donner le choix entre ça ou de nouvelles séances de thérapie. Il a besoin d'agir. Et il déteste qu'on ait pitié de lui. Je comprends, je suis pareil. J'en parlerai à Tante May. Et je ferai en sorte d'être là pour son premier jour. Merci encore. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. C'est super, madame! Alors qu'est-ce qu'il nous veut là, le doc? Je me rappelle plus ce qu'on va faire. Pardon pour le retard. Bonjour Peter. Bonsoir. Bah, ça ne fait rien. Oui, déjà en train de veiller le doc, hein. Tu peux vérifier les neurocapteurs? Bien sûr, bien sûr. En charge. Gros cervelet. En action. Il nous faut chien qu'à l'arrivée, il nous faut chien qu'à l'arrivée. Écoutez, moi c'est tout ce que je peux vous dire. C'est la même chose que tout à l'heure en fait. Simple fréquence radio, trop facile. C'est la même chose que tout à l'heure. La 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 la. Et la même chose que tout à l'heure, la 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 la. Hop là. Hop là. Oh, il a fallu aussi, si, my bad.
Hop. Hop, le moins 1. Et... hop. Le même. Ça devrait marcher. On va tester ça. Littéralement le même. Voyons, je dois pouvoir optimiser ce relais électrique. En dessous de 3 millisecondes. Ok, n'en dites pas plus. Attendez, tac, 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 qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, là? Attendez, est-ce que je suis une sale merde? Plus simple d'y arriver? Non. Il n'y a pas de moyen plus simple. Attendez, est-ce que je suis vraiment genre con à ce point-là? J'ai l'impression là. Je suis vraiment con là, moi. Non, je suis vraiment con en fait. Bien sûr que je suis. Ça, du coup, ça se met dans l'autre sens. Après, moi, réfléchir, c'est pas mon truc, hein. Hello, je viens en lurk. Salut, Zalar, merci pour le lurk, c'est plus dur. De toute façon, là, c'est une petite session Spider-Man. 3 heures, pas plus, 2 heures, ouais, parce que bon, sinon ça va crever. Et après, vers 23 heures, je pense qu'on ira en RP pour le rallye. Ok, donc là, il faut estimer 4. Enfin, attention, viser 4. Ok. Hop là. Ouais, je sais. On avait dit inférieur à 3, on est à 3,6, hein. Le rapport signal brouille et faussé.
Ouais. Changer le processeur de signal devrait réduire la latence. Bah bien sûr. Bah ça, de toute façon, ça se voyait en fait. Ça se sentait donc. Mais bon. On va commencer par un moins 3. Ensuite, on se met un petit plus 4, comme ça on est à 1. Là, c'est nickel. Juste le plus 4 ici en vrai. Parce qu'on est obligé. Et je fais ça. Câlin. Moins 2 là. Là on est à 1. Moins 2 ça ferait moins 1. Ça ferait 1 et 5. Donc on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Donc on se fait ça. Ça. Là on se fait comme ça. Comme ça. Comme ça et comme ça. Voilà. En fait, faut que je visualise, faut juste que je regarde le chemin avant de commencer avec des blocs partout. Inférieur à 3, ça fait un cœur. C'est vrai. Bon bah 2,8, mais là on pète les scores là, bien sûr. Plus neural. J'ai réussi, Doc. 2,8 millisecondes. Là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose dans le jeu. On a fait déjà 45%. Le jeu va partir en couille d'un coup. Il va y avoir la moitié des Sinister Six qui vont débarquer. On va rien voir venir. Je pense que c'est par là que le jeu va se barrer en couille, en fait. Hein. C'est au 50% du jeu. Ça, il se dit, allez. Flashback à Enzo qui nous appelait mes puces dans le chat. Ah ouais C'est très stylé, en même temps hyper flippant comme ça agit. Oh, l'image est folle. Ouais. Lâche pas la main du stop, toi. Il va jongler? Oh, le flexeur. Non, le stop, Peter. Ok, ok. Ça nous fait une petite victoire. Just jungling. C'était génial. Voilà. Un coup de main? Oui. Qu'est-ce qui se passe, docteur? Ça se voit tant que ça. Mon médecin parle d'un désordre neurologique dégénérescent. Très certainement dû à une surexposition aux produits chimiques dans ma folle jeunesse. Et je peux faire quelque chose pour vous? Oh, tu m'aides déjà. Le pire, c'est que ça affecte seulement les muscles. Le cerveau, lui, fonctionne toujours, mais... il ne peut plus agir. Tu es le seul à savoir, Peter. J'aimerais que ça reste entre nous. Bien sûr. Et si tu préfères trouver un travail qui aurait plus d'avenir... Non, j'ai voulu travailler avec vous pour ce que vous avez là-dedans. Et ça n'a pas changé. Alors je reste ici. Oh, le... Arrêtez. Venez, encore un peu, là. Venez. Vous êtes un peu comme le père que j'ai jamais eu. Peter, avant oui. que j'oublie, j'ai lu un article passionnant qui pourrait nous guider dans le développement de l'interface neurale. Ok. J'y jetterai un œil. Merci, Doc. Merci, Doc. Arrête de faire des 3-6, Peter. Doc les adore.
Il les utilisait à l'université quand il devait manipuler des isotopes radioactifs. Il dit qu'elle l'aide à rester humble. Ah, je croyais qu'on allait regarder la banane. Qu'est-ce que c'est, Doc? J'avais encore jamais vu cette matière. C'est pour faire de la soudure, tu le crois ça? Il offre une protection magnétique remarquable et limite la contamination croisée entre l'interface neuronale et les bras. Hmm. Mais vous allez pas vous souder les bras sur le cul, Doc, quand même, si? Interface directe avec les noyaux gris centraux. Prometteur, mais risqué. Je sais pas, Doc. Il faudrait un treillis de gallium pour que ça marche. Et les risques de blessures resteraient élevés. Du gallium, c'est génial. T'en fais pas pour les risques. On s'en occupera en temps voulu. Ouais, bah de fou, Doc. Mais voilà. Il a un mauvais coton, Doc, là. Non, c'est l'autre côté. Trop marrant, ça. Imagine, genre, t'es là dans la pièce, et en fait, tu vas dans l'autre pièce. Doc, ça grave. À ce rythme, il aura perdu le contrôle de ses fonctions. Mon jeu est en low résolution, donc... Si pas attention, un implant intracrânien pourrait accélérer le processus, voire altérer sa personnalité. Il va falloir être prudent. Est-ce que tu passes aujourd'hui? Aujourd'hui, je passe, je sais plus que passer, je slay aujourd'hui. Envoyer un message. Pas de problème, Peter. Je pensais faire une pause, moi aussi. Ah, c'est super. J'aurais vérifié les données. Oui, on s'en fout, Doc. J'imagine trop Peter qui dit oui, non, c'est super, Doc. Mais là, je me casse, donc commencez pas à me parler quand je m'en vais, en fait. Ah, Doc. Le sens des timings. Salut, May. Laisse-moi deviner, tu seras en retard. Même pas, je suis déjà en route. T'as des nouvelles de Miles? Non, mais sa mère m'a dit qu'il venait, donc... Parfait, j'arrive bientôt. À toutes! Attendez, on va se récupérer un backpack ou deux, là, quand même. Ok. La casquette de Sacha du Bourg-Palette. Ben tiens donc, qu'est-ce qu'on trouve pas dans les rues? Oh, je me suis pris... Wow. Chers auditeurs, vous avez sûrement entendu parler de l'émeute à Empire State. Oh non, je voulais faire le truc. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'alcoolisation excessive d'une bande de blogueurs en proie à leurs hormones. Les autorités tentent de museler les témoins, mais... Hop. D'après mes sources... Hop. Les démons ont drogué les étudiants pour les transformer en redoutables bulldozers. Où va notre ville, mesdames et messieurs, si nous devons craindre nos propres enfants, nos voisins, nos maris et nos épouses? Soyez vigilants. Sur vos gardes. Sur vos gardes. Coco n'est pas content car je lui ai envoyé une citrouille avec un chapeau de cow-boy et une tortue bonhomme de neige. Mais, attendez, parce que moi j'essaie de vous suivre hein, toujours, dans la vraie vie, où elle me spamme des emojis géants, je comprends pas. Non mais personne comprend, personne ne comprend Belgianisme, tu sais. Bah c'est, voilà, elle est super. La manière. T'inquiète Coco. Tu viens de faire une grave erreur, Toka. Ouais, c'est sûr. Vous n'êtes pas un peu trop nombreux pour vous en prendre un ado? Hop, dans la gueule de Miles. Hop, entre jambes. Ça va, Miles? Ça va. Je retiens que je suis super. Oui, bien sûr. Non, quand même.
prends le costume. Vous êtes Spider-Man. Oui, c'est moi. Vous êtes l'incroyable Spider-Man. Le spectaculaire Spider-Man. Tu utilises des adjectifs plus flatteurs que Jameson. Écoute, t'as été courageux. Mais la prochaine fois, faut laisser faire les pros. Ok? Ok. Et si les pros sont pas là? Non, tu peux pas te jeter comme ça sur des types qui font deux fois ta taille. Enfin bon, moi je dis ça. Ça m'arrive souvent de combattre plus fort que moi, mais tu vois, dans ces cas-là, je... Ouais, une fois vous avez affronté le Rhino sur le pont de Brooklyn. Ah, c'était trop génial. Très bon exemple. Si l'ennemi est plus fort, il faut être plus rapide. Ok? Je sais, mais c'est facile à dire pour vous. Désolé, mais moi, je suis pas comme vous. Allez, mets-toi en garde. Sérieusement? Ouais, vas-y. Allez, allez. Allez, rejetons, là. Bam! C'est de toujours rester calme. On inspire, on expire, on se détend. Les hanches face à l'ennemi. Tu attends qu'il attaque, tu bouges tes pieds, et quand ils sont déséquilibrés, tu cherches une ouverture. Bam! Comme ça? Ouais, voilà, c'est bien. Ok, allez, cette fois, tu frappes pour de vrai. Dans la mâchoire. Ok. Ok, vas-y. Oh, oh mince. Pardon. Non. Pas de problème. Continue comme ça et tout ira bien. Bon, fin de la leçon, je dois y aller. Merci pour tout. Y a pas de quoi. J'ai frappé Spider-Man. Ouais, on peut le dire. Hein. T'as la langue bleue aussi, ça, faudra peut-être aller consulter, mais ça, c'est pas la même chose. C'est trop chiant parce que mon PC il souffre et après j'aurais envie de, déjà de le finir celui-là et ensuite de faire le 2 là. Enfin de faire Miles Morales fuckers là. Ça va? Oh mon pote, tu vas pas me croire! Je viens de rencontrer Spider-Man! Quoi? C'est dingue! Eh, tu lui as montré notre appli de piratage? Oh non! J'ai complètement oublié! Oh, t'assures pas! Il te l'aurait forcément acheté et on serait devenu célèbre. Ouais, je lui montrerai la prochaine fois. Faut que j'y aille, j'ai promis à ma mère que je serai pas en retard. Ok, à plus alors. En plus, dans Miles Morales, il y a tout un moment dans la neige avec le marché et tout. Oh là là. Oh. Sortez vos pièces d'identité et attendez d'avoir été contrôlé. Oh, mais c'est pas. Je double. Ça va mettre des plombes. Je pas ce drone. Je passerai par-dessus la barrière. Le gars doit plus. Waouh, c'était trop facile. J'y crois pas. Le système de sable, c'est vraiment une passoire. Je me demande si je devrais pas leur envoyer un petit tuyau anonyme. J'avais pas compris qu'on était vraiment en mission discrétion. Je pensais que c'était scripté. Ok, my bad. My bad, je croyais que tout était scripté. Pardon. Écoutez. Mieux vaut éviter ces types-là. Ouais, je pense. Hein. Mais d'accord, mais... Comment j'évite moi? Ah ok. Petite appli de piratage, me laisse pas tomber. Je pourrais peut-être déclencher cette sirène. Qu'est-ce que c'était? Un peu, un peu efficace hein, l'appli hein. Allez, réfléchis. Je peux passer sous la barrière à gauche ou par l'échafaudage à droite. Des drones, je dois les désactiver. Ces drones-là sont armés. Mieux vaut pas me faire repérer. Et bonne nuit. Bonne nuit. Cool. Y a un rat. C'est un peu moins flippant. Salut Sophie, salut Emma. Regardez, y a des rats. Non, faut que je descende. Oh. On attaque l'ennemi. Non. Personne n'attaque personne là. Va finir par me repérer. Il faut que je me dépêche. Fais pas attention à moi. Je suis invisible. Ok. Je m'en suis sorti. Ouh. Eh ben. Ouh. Hey, salut maman. Salut mon chat, ça va? J'ai bien passé mon refuge, fils? Ouais, j'y suis presque. Mon chéri, tu n'es pas obligé de travailler à ce refuge, tu sais. T'as dit que je devais? Non. Je t'ai laissé le choix. Ouais, ça vaut toutes les séances de psy. Enfin, je veux dire, ça m'a aidé, hein. Le gars me dit qu'on vit pas tous le chagrin de la même manière. Moi...
Oh, faut pas faire ça, mais vous êtes... Mais vous êtes malade, ça enlève vite, ma mère. Waouh. Ok, j'ai eu plus peur là que dans la quasi-totalité de ma vie. J'ai jamais eu... Oh là... Ok, on repart. Waouh, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je crois. Oh, prenez exemple, hein, les jeux d'horreur, les machins et tout, là, c'est... Waouh. C'est ça, ma manière. Très bien, désolé. Waouh. Oui. C'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler que je t'aime pas. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. Peur des psys. On s'en sortira, d'accord. Mais non. Mais vous avez rien suivi, madame, encore, là. Meljanisme. J'ai failli me faire renverser. J'ai failli me faire renverser, enfin. Je vous jure, je les vois, je les entends. Bon, respirez calmement, je reviens, monsieur Hodges. Il n'a rien à foutre. Miles, Peter, désolé pour le retard. Non, c'est rien, je suis content de te voir. D'accord, alors, qu'est-ce que je peux faire? Tu pourrais commencer par te familiariser avec le centre, parler à des gens, en distribuant du café. Café, ok. Et je passerai te voir pour vérifier si tout va bien, d'accord? Ouais... Oh, t'en fais pas pour Monsieur Hodges. Il mord pas. Enfin, pas trop. T'es sûr? Monsieur Hodges. Et le OG. Petit café? Café? Merci. Je peux aider? Seulement si tu peux me dire ce que c'est qu'un quark. C'est une particule subatomique. Ce sont les éléments constitutifs des protons, des neutrons, des hadrons. Subatomique. Ça rentre? Bien joué, petit. Oh, c'est de la camelote. Moi, de quoi? Oh, café? Mais pourquoi ça marche pas? Je peux jeter un œil? Hein? Ah, subatomique? On a des tubes cathodiques au lycée. Je sais comment ça se répare. Tubes cathodiques quoi? Non, non, suffit de tomber dessus deux, trois fois. Et ça repart. Ou il y a un faux contact, peut-être. D'accord, d'accord. Mort pas trop. Bah vas-y, essaie, hein, monsieur le petit génie. Allez, à toi de jouer. C'est pas parce que vous êtes vieux et moche que vous êtes obligé d'être con en plus. Les dommages ont encore été rendus à l'agent Jefferson Davis, le héros tué lors de l'attentat à l'hôtel de ville. D'après de nouveaux témoignages, il aurait utilisé son corps comme bouclier pour protéger des gens de l'explosion. Hé, hey, le nouveau, je suis à sec, là. Un héros? Il a rien fait d'héroïque, il s'est juste fait sauter. Ah, Ernie, je vous présente Miles. Il vient donner un coup de main. Vous avez dû entendre parler de son père, Jefferson Davis. Avec tout ce qui lui arrive en ce moment, c'est plutôt sympa qu'il soit venu nous aider. Pas vrai? Ouais. Merci. Alors on a l'air con là. Je suis désolé pour ton père. Bien, Miles. Maintenant, alors, on a besoin d'aide en cuisine. On a l'air con en plus d'être moche. Hein? Oh, la dalle que j'ai là. Donne un peu là. Je vais devoir y aller, mais j'ai amené des renforts. Ah, Miles, je suis ravie de te voir. Bien, mets un tablier, lave-toi les mains et je te fais visiter. Hé, Peter. Merci pour ce que t'as dit. C'est marrant, t'as la même voix que Spider-Man. C'est bizarre, non? Trouve pas, Peter. Hé, Peter. Il est presque midi. Sable va déplacer le docteur Michaels. Il faut que j'aille à la Bowery pour le retrouver. Comme des tyrans. Recovery time objective. J'ai aucun de ces trois trucs là. Je me suis jamais senti en sécurité à l'autre refuge. Si le temps, en vrai le temps. Si le temps. Si oh là le temps. Si oh là. Oh là là, si oh là. Hop. Hop. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Ah, attendez! D'ailleurs, j'y pense. On a débloqué une nouvelle tenue? Mais non. Mmh.
quand même fou de faire plein de tenues moches. Ça. Est-ce que je peux pas m'améliorer deux, trois trucs, là? Si, si, je peux m'améliorer des trucs. Ok. Essayons de réfléchir. Mode de tenue, 30%. Ah, mais de toute façon, faut tout que j'améliore, en fait. Seconde peau, réduit les dégâts. Comment XP reçu en battant des ennemis. Pas de... En mode furtif, les ennemis vous détectent plus lentement. C'est pas mal, ça. Attaquer avec un gadget génère de la concentration. L'attaque avec une toile génère plus de concentration. Augmente la quantité de santé régénérée. Oui, on va prendre ça. Ouais, on prend ça, là. Ok. Les ennemis scannés restent vivants plus longtemps. Augmente les dégâts infligés lorsque vous vous sentez supérieur. Ok. Et alors là, d'accord. Renverse maintenant les ennemis armés. Maintenez shift gauche et espace. Ah bah oui. Non mais là, d'accord. C'est il faut 2, c'est il faut 3, c'est il faut 1, c'est quoi ça? Les attaques génèrent de la concentration plus rapidement lorsque votre santé... Ok. L'immunisation silencieuse génère beaucoup plus de concentration. Merde, ça c'est 2. Vous pouvez saisir et projeter les brutes ennemis. Bah ça oui. Mais voilà, mais d'accord. Mission annexe. Tombstone. Ah oui, c'est vrai qu'on faisait ça. Salut Yuri. Je me rends dans... C'est vrai? Je me rappelle là. Je me suis rappelé. Pour m'assurer que Michael sera bien à l'abri dans... Me faire un petit thé et me mettre en cette pluie. Vas-y, Johnny, vas-y. Silver Sable a été très clair. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ouais, bah qu'est-ce qu'elle va me faire? Me tirer dessus? Honnêtement, il y a 50% de chance. Ah, ok. Je serai dans les environs, mais pas trop près. Au cas où. Hop! Voilà, voilà. Il y a beaucoup trop de balles qui sifflent dans les parages. Salut les cons! Ils se disputent pour une place! Ok, pas de cachotterie entre nous. Si le souffle du diable est lâché sur la ville, quel est notre pire scénario? Vous savez, épidémie massive, fin du monde, ouais, cool. Pourquoi je pose la question? Wow. Oui. Wow. Hop, spam. Il leur tire dessus, ça lui fait rien. C'est juste prévu pour que moi je vienne. Je vois clair dans votre jeu, vilain ronchon. Je sais que vous m'adorez, et moi aussi je vous adore. Vilain ronchon. Hop. Ton devoir. Belle composition, sans vouloir me vanter.
Je me demande si le roi T'Challa a gagné ses pouvoirs en se faisant mordre par une panthère radioactive. T'Challa, il parle de T'Challa. Un comme lui, ça doit faire mal. Hein. Attendez, il y a un cascada, un sac, un cascada. Il y a un sac à dos. Cascada. Comment on va là? Quoi? C'est bugué. Y'a un bug. Ok, c'est pas bugué. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? Every time we touch, ain't now we need it. Centrale de sable, centrale de métal. Je répète, on nous tire dessus. Je peux pas laisser les démons tuer des types de sable, aussi antipathiques soient-ils. Si vous voulez pas qu'on s'acharne sur vous, évitez de faire exploser la ville. Alors. Ça a pas fait. J'ai appuyé sur... Ah mais c'était peut-être un peu trop tard pour le timing, j'avoue. Ah d'accord, donc on vise plus les ennemis. Encore des démons ? Et vous savez que c'est dur de s'occuper de tout le monde individuellement ? Comment ça va ? Il me fait la petite discute. Il me tape la causette là. Oh pardon, c'est vous ça. Alors on est bugué quand on se... Ouais. Quand on s'occupe pas de vous tout de suite, ça bug un peu là. Peter, je voulais te remercier. Ton travail sur l'interface neuronale a été inestimable. J'aimerais que tu puisses voir ses conséquences. Mais je commence à réaliser à quel point les forces qui s'opposent aux véritables visionnaires sont puissantes et pernicieuses. Nous atteindrons la victoire, quoi qu'il en coûte. Je te promets que ce ne sera pas long. Des forces puissantes et pernicieuses? Ça me plaît pas beaucoup. Yuri, j'ai trouvé un des chantiers de Fisk. Vous allez rire? C'est une vraie fourmilière du crime. Essayez de faire du bruit. Si quelqu'un se plaint du tapage, je pourrais envoyer une patrouille. Du bruit? Ouais, ça je peux le faire. Coucou, Spanier. Laissez-moi faire ce que je veux. Vas-y, je t'attends. Remets-moi en place là pour voir. Le boss en a ras-le-bol. Tu pourras pas toujours rester là-haut. Et moi aussi. Tu vas la fermer définitivement. Tu vas la regretter. Ouais, je l'ai eu. Maintenez-le au sol. Prends ça. Et bat-toi comme un os. Allez, Fisk va
va nous faire la peau si on l'écrase pas. C'est quoi ça? Des renforts! Pour un type en prison, Fisk a des hommes extrêmement loyaux. C'est toi le chat? Il a dit c'est toi le chat ou c'est quoi ça? J'ai compris, c'est toi le chat! Ça m'a cancel mon animation. J'ai appuyé sur A pour choper la bombe. Ça m'a cancel l'animation, ça m'a fait sauter. C'est pas sympa ça, c'est pas très sympa ça. Les empanadas. Ça a marché ou pas là? Ah ouais, ça marche hein. T'es déjà fait avoir par Spider-Man? C'est pas vrai, il a des cheveux filés! Hé! Je crois qu'on a de la visite, je vais voir. Sûr d'avoir vu un truc. Je serais bien le reste de toi qu'il a pas vu venir celle-là. Spider-Man en vue! Comment il fait ça? C'est bon, continuez! Zbim, zbab, zboum, zbim. Je vais t'apprendre à respect. Mets-le au sol. Je vais t'énergie. Spider-Man, remettez-le un peu en place. Ah ouais, remettez-moi en place là, deux secondes là. Enchaînement. Entourez-le. Essayez d'éviter ces gadgets. Aucune chance. Hé les nouveaux, sympa de passer à ma kermesse. Je vais faire circuler un chapeau. Non sérieux, j'ai un loyer à payer. Spider-Man, je viens de vérifier. On a identifié une multiplication des faux billets dans ce quartier. De la fausse monnaie? Un art en perdition? Je vais lui donner le coup de grâce. Coiffure moche? Trop de parfum? Ouais, encore des brutes de fisc. Tu vas leur traiter. À ta place, je m'enfuirai. Ouf. C'est pas de passer le sol où on n'arrivera à rien. Encore des renforts? Non, pas aujourd'hui, les gars. J'ai un mot d'absence de Woolly. Promis juré.
Ah tiens. Je te refais les tiennes là si tu veux. Arrêtez. Dans le vide, on a juste entendu le. Il est tombé comme une sale merde. Tout est réglé maintenant, Yuri. Super. Encore une source de revenus que Wilson Fisk ne pourra plus utiliser pour payer ses avocats. Let's go. J'ai de l'autre côté. Ouf. Qu'est-ce que c'est jouissif, pétard. Je pensais que c'était un objectif alors pas du tout. Avant-poste X-ray pris d'assaut. C'est les démons. Y'a un pigeon. Where pigeon? Ah! Un pigeon! Il prend la fuite! Notre prochaine auditrice nous parle d'un problème que j'ai vu venir à des kilomètres. On vous écoute. C'était hier soir. Je suis en train de sortir de ma baignoire. Je regarde par la fenêtre. Et là, qu'est-ce que je vois? Spider-Man qui se balade au bout de sa toile. Tranquille, j'étais toute nue! Madame, je compatis avec vous. Imaginez le genre de personnalité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a que ça à foutre. De regarder les gens nus dans leur appart alors qu'il va à 200 km/h au bout de sa toile. Maintenant, voyons ce qui se trame à l'intérieur. À toutes les unités. Indice 30 est en cours sur un véhicule blindé. Aux agents disponibles, rendez-vous à Yorkville. Ok. Je tombe à pic. Les hommes de Tombstone chargent leur ravitaillement. Et pourquoi faire? Ils reprennent le trafic de drogue? Ils sont lourdement armés. J'ai intérêt à rester discret. Où sont passés les gars de la sécurité? C'est désert ici. Le patron les a achetés. Si quelqu'un se pointe, on bute. Qu'est-ce que je voulais faire? Je peux recommencer? Non, ok. Je m'ai trompé de touche, c'est pas ce que je voulais faire au début. C'est ce que je voulais faire au début, c'est ce que je viens de faire là, c'est-à-dire les prendre dans ma petite toile et tout. Et je me suis trompé de touche, du coup je les ai frappés. Salut tonton Dono, comment ça va? Mais le jeu est incroyable. Le jeu est incroyable. Il y en a trois. Il y a celui-là, il y a Miles Morales et il y a le nouveau. Donc il y a tellement de trucs à faire là. J'aime trop.
avocat, surveillez vos arrières. C'est lui, c'est Spider-Man. Hé hey, mais vous êtes pas pharmacien? Ça se voit parce que vous n'avez pas de blouse blanche. Eh oui! Oh, le sens d'observation, fin comme un oiseau! Arrêtez! Arrêtez! Ça, pourquoi ça veut pas? Merci! Si, merci! Non, revenez, par pitié! Ne laissez pas passer derrière vous! Hop! Les hommes de Tombstone sont KO. Ouais. Voyons maintenant ce que contiennent ces barres. Ça va, attends, écoute, ça va super, je joue au meilleur jeu du monde. Les déplacements, le déplacement R6 est suffisant, vraiment. C'est insane. Abandon de la mission, continue la mission, non, bien sûr. Bien sûr, je montre juste comment on se déplace dans votre jeu, arrêtez. Ça va. Et en plus, tu peux rajouter des modes et tout. Comme moi, j'ai rajouté un mode pour avoir ce déguisement. Ce costume-là. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Ike Max ! Oh non, les vilains motards ! Bah, respectez votre. Enfin, respectez vos motos quand même. Oula. Là, monsieur ? Oula. Ouais ! Un marcheur blanc ! Amène-toi ! Un marcheur blanc ! Ça va, monsieur ? Qu'est-ce qui. Je doute que ce soit un produit pour l'as. Reviens, reviens pour voir. Ouais, c'est ce que je pensais. Attends, moto. Wouh. Ouais. Je vais voir un peu tes moves là, ok. En voilà d'autres, drogués comme leurs copains. Ah, les jeunes de nos jours, aucune personnalité. J'avoue. Oh. Hop. Hop là. Hop. Moto. Moto. Oh oui, les moves aussi sont... Oh là là. Moto. Ah non, pas moto. Ah, moto. 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 Ah, on me ramène des motos. Mais c'est dingue, ça tombe bien parce que j'en avais plus. Si j'étais à court de moto, ça fait plaisir. Ah, pas moto. 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 Aïe. Ok, 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 on y est, on y est, on y est. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien entre le Diox 3 et ses inhalateurs. Je devrais analyser un inhalateur pour en savoir plus. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais la nouvelle technique du saut. J'imagine qu'il coûte 60 balles. Eh non ! Sur TL, dans le pieu, compliqué de check. Non, non, il coûte pas 60 balles. Pendant un temps, il était... Je crois que sur Steam, il est forcément un peu cher, mais je crois qu'il doit être à 40 et quelques. Attends, je vérifie en temps réel pour toi, là, je vérifie en... Dans real. In real time. Hop. Page du magasin. Sur Steam, il coûte... Alors si, il coûte 60 balles sur Steam. Putain, je pensais pas qu'il était remonté aussi cher. Mais je crois que sur Instant, il est quand même moins cher. Avant, pendant un temps, sur Instant Gaming, il était à 28 euros. Dites-vous, mesdames et messieurs, dites-vous. Pendant un temps... Il était à 28 euros et Miles Morales à 26 sur Instant Gaming. Et maintenant... Instant Gaming, Miles Morales, il est à 29 euros. Enfin, 28,54. Et Spider-Man Marvel Spider-Man Remastered, il est à 33,65 euros.
Celui-là, le premier du coup. 33,065 sur... sur Instant Gaming. Je fais quoi là? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai pas compris. Hein? Ah, faut que j'essaye un de leurs masques? Je sais pas quoi là? J'ai pas compris. Je vais pas écouter, je vais pas écouter. J'ai une nouvelle tenue. Ah non, j'ai des nouvelles... Le maillage plasma électrifie la structure de votre tenue étourdissant les ennemis. Je prends. Je prends. Je mets ça. Les dégâts subis peuvent recharger les gadgets épuisés. Non, pas besoin. Gadget nouveau. Oh pétard. Bon alors ça. Bon là, j'augmente au max. Tout ce que je peux augmenter, c'est augmenter. Hein. Compétences. Ouais. Ça coûte 2, ça coûte 1. Beaucoup plus de concentration. Ça que génère de la concentration. Attaquant l'air. Vas-y. Hein. Je voudrais déjà prendre Baldur's Gate. Faut que j'arrête les conneries. C'est vrai que Baldur's Gate, cheros, hein. Puis 150 gigas. Hein. Pétard, 60 balles, 150 gigas. Let's go. Après, je pense qu'il les vaut, mais. Mais pétard. Qu'est-ce que je fais là, du coup, là? J'ai pas compris, là. Examiner l'inhalateur. Ok, j'examine l'inhalateur. Ah là, ok. Combien? 150 gigas. Hein. 120 gigas, je sais plus, 130, je sais plus. Ouais, ouais, bonjour, je rentre chez moi. Salut Monu, comment elle va? Comment elle va, celle-ci? Mais c'est le jeu de l'année. Ah bah oui, après, je me doute. Je comprends pas, là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que vous attendez de moi, là? Bien. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Fallait que je le tourne, en fait, my pad. Oh, c'est le petit jeu, j'aime bien les petits jeux. Ok. On en a 3 pour faire celui-là, donc je suppose qu'on peut se prendre un petit... Comme ça. Et puis un petit... Comme ça. Et puis ensuite, ils font qu'on en cancel un avec, par exemple, du coup, ça. C'est super. Ensuite, ici même, on a ça. Non. Du tout. On a... ça, et là on a ça, et ensuite pour celui-là on a ça, et... Je suis un peu bête ou c'est moi qui suis bête? Ouais. Et là, du coup... Ok. C'est bon. Je suis au volant, Kevin. Bah arrête de parler, alors. Conduis. Pas mal comme cocktail, pour une invincibilité temporaire. En fait. Je suis impressionné. Et inquiet. Si ce truc arrive dans la rue, le marché sera une... Pardon, la mission. Non, continue la mission. Mais encore un... Pardon. Je devrais pouvoir synthétiser un antidote. Je me demande si ce camion contient l'équipement de labo. On va faire ça à l'ancienne. Ah, parce qu'on le fait nous-mêmes là sur le terrain? Ok. C'est voulu l'écran noir ou... Voilà. Ok, d'accord. Une unique dose d'antidote. Il n'y a plus qu'à la tester. Ok. Écran noir, y a pas de problème. Ah, pour passer le jour. Ce serait vraiment bien qu'on puisse juste swing de nuit quand on veut, en fait, qu'il y ait un cycle jour-nuit, parce que... Swing la nuit, pétard, quel plaisir. Qu'est-ce que c'est que ces lasers rouges, là? Alors c'est là qu'il y a une teuf.
Maintenant, voyons ce qui se trame à l'intérieur. Geronimo ! Merde, la dernière fois, j'avais pas fait ça. J'avais pas fait, ouais. MJ, je suis sur le deuxième site. C'est dingue. Les démons se baladent avec leurs masques comme si de rien n'était. Je me demande comment ils se reconnaissent entre eux. Je vais essayer de voir ce qu'ils cachent pendant que tu joues les empêcheurs de tourner en rond. Je vous ai pas vu! Alors! Hop! Toudoucha, il m'a appelé. Toudoucha! Ceux qui sont déjà là et ils retournent sur le banc, non? Ouais, c'est une sorte de team tag. Hop, alors on m'avait pas vu venir, hein. On pensait pas que j'allais venir vous chercher aussi vite. Hop, double dodge, double dodge. Vous attendiez juste à côté que je pense avoir gagné, hein? Bande de méchants! Bande de méchants! Peter, il semblerait que Lee ait racheté un atelier de carrosserie tout à fait légitime. Ah ouais? Avec ce que viennent tous les véhicules des démons? Camions, ambulances. Exactement. Si tu mets fin à leurs opérations, ils auront plus de mal à passer incognito en ville. J'imagine le message groupé qui vous a tous fait venir ici. Wouh ! Ah ! Oh non, je pensais que ça allait dodge. Je voudrais vérifier la capacité maximale des lieux. Oui. Ok. T'es où, mon bonhomme? La caméra. C'est tendu, c'est tendu. Et ok, ok, ok. Fou.
Ça cache tout. C'est fini. MJ. D'accord, il y en a beaucoup d'ennemis comme ça, c'est dur. Pourtant, je suis en normal. T'en fais pas, je préviens la police. Ils vont s'occuper de tout ça. Pétard. Pétard. Après, c'est mon premier jeu du genre aussi, donc j'ai pas l'habitude, moi, des QTE, d'enchaîner des combos et tout ça. Je fais pas le jeu solo, moi, d'habitude. Yee-hi! Et la tour, là. Oh. Ok. Prends la bonne hauteur d'onde. Hop là. GG, merci. C'était dur, putain, c'était dur. Hop là. Le petit sac. Petit sac à dalle. On va se faire la deuxième. Sur la deuxième antenne, vu qu'on est à peu près à côté. Les plus couche-tard d'entre vous ont peut-être vu les lumières vaciller dans la prison de très haute sécurité du Raft la nuit dernière. Malheureusement, ce n'était pas lié au passage d'un détenu sur la chaise. Non. Il semblerait que quelqu'un de là-bas ait eu l'idée judicieuse de faire payer son séjour à Electro, criminel multirécidiviste, afin d'économiser l'argent du contribuable. Cependant, comme on pouvait s'en douter, Electro déteste le travail honnête autant qu'il aime voler et tuer. Et la prison a dû se rebrancher au réseau urbain. Je suis sûr que c'est pour ça que je peux pas faire fonctionner mon micro-ondes et mon grille-pain en même temps, sous peine de faire sauter les plombs. Il est chiant, il est un peu drôle. Salut les polycos, pip, pos, pip, ça va? Qu'est-ce qu'il y a là? Déjà, il y a un pigeon. Attends, il y a un pigeon. Ah, c'est parti! Pétard, il est plus rapide que certains de mes adversaires. Il est super rapide, il est surentraîné. Yeah. Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a beaucoup de monde, mais ça travaille pas des masses. En apparence, il cherche juste à rester discret. Je vais creuser la question. Mon but c'est de faire le plus beau combat possible. Ah oui, restez discret. Ah, fallait que je reste discret. Ouais. Ah bah là j'avoue que du coup la mission est ouais. Ça c'est my bad ça. Wouh! Zbim! Un peu de farine? Un peu de bidon? Oh, bonjour. C'est maintenant qu'on arrive! Je vais devoir distribuer des billets de retard!
Aïe. Ouah. Voilà les renforts. Et pourquoi moi j'en ai pas des renforts? Ah oui, c'est vrai. Personne ne m'aime. Oh, c'est triste, ça. C'est ce qu'elle a dit à la radio. Ah, merde. Elle va encore se fâcher parce que je l'ai pas écouté, Yuri. Spider-Man, d'après mes sources, des armes plutôt exotiques transitent par ce site. Des explosifs, des lanceurs. D'après mes sources, vous n'êtes pas discret. Fisk arrive à récupérer du matériel réservé à l'armée. Il faut tout faire pour que ces armes n'entrent pas en circulation. Des renforts. Vous savez, il y a d'autres manières de soutenir vos camarades. En leur criant bon travail, par exemple. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Ou... ou en organisant un petit barbecue pour leur dire c'est super ce que t'as fait, hop hop hop, tu mérites un bon barbecue. C'est super les barbecues. Tout le monde aime les barbecues. Moi j'adore les barbecues, moi. Je suis coincé. J'essaie d'utiliser plus les gadgets parce que sinon je les utilise vraiment genre jamais. Alors qu'ils sont super bien. Bonne idée le barbecue, mais la viande coûte cher, c'est vrai. Après on peut faire du... on peut prendre du fromage, le faire paner et le faire griller au barbecue. Toutes leurs armes vous attendent comme un tas de cadeaux au pied du sapin. Faire plein de trucs. Avec votre costume rouge, vous êtes pour moi ce qui... des légumes aussi frits au barbecue là. Petits légumes grillés au barbecue là. Oh yo 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 yo. Plus. Hein. Il y a un sac à dalles. Il est où le sac à dalles? Il est là. Comment il va celui-ci? Hop là. Elle est où la tour? Elle est dans Times Square? Dans Times Square, dans Central Park. Central Park, moi c'est pas pratique parce que les arbres ils sont pas très... Hop! Vu! Vu la tour. J'ai déjà mangé mais ça me redonne faim. Moi j'ai pas encore mangé, j'ai... Bravo Spider-Man, super! Qu'est-ce que j'aime ce jeu! Oh, je me suis mute en... mon... ça a mute mon micro quand je l'ai gobé. Comme le bœuf. Le bœuf de gobé. Moi j'adore le bœuf de gobé. Il y a une actrice aussi qui s'appelle comme ça. Margot Bobby. Bam. Bim. Salut. Est-ce salut que toi est libre. Wow. Us. Spam. Voilà pour la mise en bouche. Passons au plat du jour. Encore. Le saut de l'ange. À vouloir faire toutes les petites missions et tout, ça devient répétitif. Faut pas que je fasse trop de fois la même chose. Je suis sur le troisième site.
Apparemment, c'est carnaval au bureau aujourd'hui. Tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau. Mais tu seras pas là pour te reposer. Ouais. J'ai l'impression qu'ils vont pas apprécier ma présence bien longtemps. Comment je peux faire là? Il s'en va? Ok. Ok. Et je peux pas les reprendre une fois que je les ai mal mis là? Il est extrêmement mal mis quand même. Wouh, on a échappé belle. Il reste des gens beaucoup là-bas? Je vois pas là-dessous, c'est ça le problème. Chantal, Chantal là-dessous, bien sûr. Attendez, j'arrive, hein! Les 0 points de compétences. Ok, les gadgets, je peux pas améliorer là? Non, ok. Est-ce que si je fais ça... J'ai l'impression que ça a un peu vendu la mèche. Oh bah alors! Ouais. J'ai l'impression que l'opération discrétion... C'est pas encore ça quoi, la discrétion. Oh non! Un gang de courtiers! Ah non, c'est juste les démons. Wow! J'aurais dû faire sur l'autre. Je vais bientôt venger Jeff Davis et tous ceux qui ont péri à l'hôtel de vie. En voilà d'autres, tant mieux. Hey, je me demandais, comment vous faites pour éternuer avec vos masques? Ah, parce que moi... Éternuer, ça doit être trop chiant du coup avec le masque. Les vraies bonnes questions, Spidey, hein, les vraies bonnes questions.
Laissez-moi faire des trucs. Oh, j'ai sauté en plein dedans. Oh non, ça lui est tombé juste à côté. Oh non, un demi-millimètre. Ça va, vous ? Alors ? Eh oui. Hop ! Hop ! Oh, je me suis pas trop mal sorti, mais j'ai perdu de la vie quand même. C'est dur, en vrai, le jeu en normal, putain. Après, je me répète, mais si ça se trouve, c'est juste moi qui n'ai pas l'habitude, quoi. Tout est réglé. Récupère. Tu ne t'es pas laissé emporter, j'espère. Non. Ce qu'ils ont fait est horrible, mais tu n'es pas comme eux. Ah non. Comment ça, elle? Tu penses que je les ai trucidés? Bah, MJ, enfin, tu me connais, non? Enfin, je veux dire... J'ai pas fumé tout le monde, enfin, bon, enfin... Je suis... Voilà, calme-toi, MJ. Qu'est-ce qu'elle pense que j'ai fait, là? Yo! Salut! C'est pour faire la tour là, pour avoir le réseau. Pour avoir la 5G, parce que sinon c'est trop sian en fait, pour les gadgets et tout, c'est trop sian. Pour ça, c'est oublié d'avoir le réseau, donc en fait, pour ça, je rétablis un peu ce travail, c'est Orange en fait, et c'est super parce qu'on a un petit contrat à mi-temps. Et ils comprennent tout à fait mes besoins, donc ça, c'est super. Ouais, bah écoutez. Allons à l'objectif, hein. Beaucoup de gens me demandent ce qu'ils peuvent faire une fois qu'ils ont ouvert les yeux sur les dangers qui nous guettent. Ah, si seulement il y avait une réponse évidente. Bien sûr, nous devons être conscients des menaces criminelles. Mais il faut aussi prendre en compte ceux dont le travail est de nous protéger. La police, les agents de sable, ceux qui travaillent pour le maire, qui travaillent pour nous. Oui. Nous devons observer une tolérance zéro pour tous ceux qui sèment l'anarchie à Manhattan. C'est ce que je vais faire. C'est dur à caler ce mouvement-là. Oui, Spider-Man, tu fais partie du lot. Moi, je suis un anarchiste. Tout ça, ouais. Yeah, oh, c'est si plaisant. C'est un bonheur ce jeu. Pas pour mon PC, mais alors pour moi. Yeah. Avec la voix, la VF de Donald Renew et ce costume là, c'est. Ça touche un soft spot. C'est dur à dire, soft spot! Voilà, Times Square! Cool!
Hop, la petite photo en même temps. J'aimais la photo. Petite photo là, pas dégueu. Ça à l'aide. Ah non, c'est vous avez peur de moi parce que je suis passé vite, pardon. Je veux bien comprendre que ça puisse surprendre. Hein. Le mec qui passe à 100 km/h en se baladant. En se balançant. Après il se balade aussi, hein, c'est sûr, mais... Hop. Oh oui, mais par pitié, mais tous les jours. Hop! Quartier de la Bowery. Et où est le docteur Michaels? Bonjour. À vous. Nous sommes prêts, docteur Michaels. Oh pétard. C'est le souffle du diable? C'est le GR-27, pas... Faites-y attention! Entre de mauvaises mains, les risques... Rassurez-vous, nous sommes les meilleurs au monde. Je suis pas sûr. Je me sens déjà bien mieux. Code 381, le paquet est en route. Oh pétard, ça va... Oh pétard! Par ici, Dr. Michael. Oh, ça sent le roussi, cette histoire. Hein? Oh non, alors dites. C'est tiant. Oula. Ah, quand même, hein. C'est des missiles, ça. Donc là, c'est bon, là, il y a une guerre... c'est une guerre civile, d'accord. Forcément. Pour l'ambiance à chier dans cette ville, j'ai... Oh ouais, c'est... T'as pas envie d'aller faire un tour au musée, hein. Bienvenue à bord, docteur. Ça va, tu ne la fais pas à nous, Lilian, ça va. Me touche pas, tout est sous contrôle. Ah oui, oh oui. Tu vois ça. J'allais dire pareil. Voilà. Prenez-en de la graine, là, elle est nulle. Yori, je suis à la poursuite de Martin Lee. Je crois qu'il détient le Dr. Michaels et le souffle du diable. Bien reçu. Je vous envoie des unités. Il garde Michaels en vie. C'est bon signe. Sans doute pour le forcer à fabriquer plus de souffle. Donc là, on se bat sur un camion qui bouge. J'adore. Je dois arrêter ce camion. Attends, tu vas avoir ce truc, quoi. J'adore. J'aime trop. Oh, pétard de merde. Oh. Ici Sable International. Nous sommes autorisés à employer la force létale. C'est notre dernier avertissement. Waouh, waouh! T'as une arme biologique là-dedans! Attends, feu à volonté! Waouh! Pourquoi tout le monde se fait à tirer des roquettes d'un coup? Vous êtes con là, vous êtes con? Spider-Man, écartez-vous. Vous aimez le déroulement de l'opération. Ta gueule, toi, ta gueule! Désolé, mais je cautionne pas l'opération missile dans Manhattan! Salut les cons! Wow!
Eh, tu peux pas tirer à bout portant avec ton lance-roquette, sinon bah tu meurs aussi quoi, t'as failli le faire. Bon, le camion est un minimum clear, on va dire. Je dois éliminer les types dans les camions avant de poursuivre lui. Salut. Ça va ? Yo. Oh mon PC il aime pas là. Bah il y a trop de trucs, mon PC il est pas fan. Oh vas-y. Oi. Ta gueule. Casse-toi maintenant là. Cible perdue, rattrapez-la. Il arrive et il punira tous les pêcheurs. Ouais. Salut. Oh le dog. Oh yeah. Oui le plan là. Lee, donnez-moi salut, ça. Salut Lee. Ça va Lee? Toc toc. Oi. Liquide de frein. Où en êtes-vous? Vous avez capturé Lee? Oui. Je suis sur le coup. Ouais, on est sur le coup là. Je suis sur le cul surtout, mais Je vous prends ça. Salut. Qu'est-ce que vous me faites là? Comme ça. Il va me rendre méchant. Qu'est-ce qui se passe? C'est beau, le costume est honnête, j'espérais te conduire ici. Mes capacités me confèrent un certain pouvoir de persuasion. Mm-hmm. J'ai eu le temps de t'observer. Je t'ai attendu à l'hôtel de ville. Enfin, où étais-tu passé? C'est réel ou c'est dans la tête? Bon, ça se voit là, non? Tous ces innocents qui sont morts, sans héros pour voler à leur secours. Ce policier t'a sauvé la vie, je me trompe? Il était là à cause de toi. Non, il était pas là à cause de moi, c'est son métier. Et Norman qui voulait se servir de lui. Un réflexe futile, en fin de compte. Et où était Norman pendant tout ce temps? Il se défilait. Comme un rat. Il ouais, savait ça. Ce qui allait se produire. Et il s'est enfui. Oh, Norman est comme plus, une tumeur qui ronge cette ville. Il faut la retirer avant que le mal ne se propage. Norman se cache derrière un masque de mensonges. D'accord. Je le ferai voler en éclats. Ok. Et au grand jour. Enfile ce masque. Deviens l'un des nôtres. Non, ça va. Hein. Merci, mais non merci. D'une façon ou d'une autre, tu vas me rejoindre. Oui. Oh mais ça, bien sûr. Bien sûr. Toutes ces pertes humaines, ces victimes innocentes que tu n'as pas pu sauver. Martin, vous avez leur sang sur vos mains. Tu peux arrêter Osborne. Tu as tellement de force. Je t'offre la détermination. Ah, je peux pas aller dans le feu. Ah ah! Et ouais, j'ai des gadgets! Des gadgets de l'au-delà! Ils sont tombés comme des mouches! Et tu n'as pas bougé! Oui, un peu en vrai. Je peux pas sauver tout le monde! Qu'est-ce qu'une vie? Une seule vie! En échange d'une ville remplie d'âmes!
Ça va toi là? Hey! Tu défends Osborne, tranquillement installé dans sa tour d'ivoire. C'est pas réel! Montre-moi ta vraie force! À genoux devant moi, je vais t'arracher. Oui, arrache. Oui, arrache ta gueule surtout. Hop là! T'es où? T'es où? On t'attend, on t'entend plus là! Et je leur donnerai ma force! Masque-toi! Tu dois détruire le masque! Hus! Arrête! Hus! Je vous abandonnerai pas dans les ténèbres, Martha! Je t'interdis! Retournez vers la lumière! Non! Alors, Lee! Alors, Martin! Solide le bâtiment, il est solide la gargouille là. Aïe. Je dirais. Ah merde. Ça s'appelle Jamie. Ils l'ont pris. Ouais. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Bah, plutôt, oui. Ouais, ouais, je pense, oui. Le costume est beau. Le costume est beau. Vous êtes populaire, dis donc. Oh, voilà l'autre conne, là. C'est lui la conne. Pardon, pardon. Où est le sérum? Ils l'ont. Didiscoya. Bravo, le super-héros. Vous croyez sauver les gens, mais vous faites qu'aggraver les choses. C'est votre faute. Ma faute? C'était à vous de le protéger. Ah, il vous en faut deux? Assez. Bien vous sûr. Devez prévenir Monsieur Osborne. Je vais la suivre. Merci. Je ne l'oublierai pas. J'ai hâte de lui foutre une raclée à elle. Elle m'énerve. Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Yori, dites-moi que vous avez une piste pour retrouver Martin Lee. On a la vidéo d'un témoin dans un café. Apparemment, il est monté à bord d'une berline noire après l'accident. Une berline noire? Génial. Attendez, laissez-moi finir. On a un morceau de la plaque, et l'un de mes hommes a trouvé une berline noire correspondante dans un parking, à l'angle de Canal et Hudson. Grognasse, je suis d'accord. Je suis en route. Je suis plutôt d'accord. Spider-Man. Allô? Est-ce que ça marche? Docteur Michaels? Comment vous pouvez m'appeler? J'ai emprunté une radio de sable. Écoutez, les lieux de transit sont les plus exposés à une attaque du souffle du diable. Aéroport, terminaux de bus, car après, ça peut se propager comme un feu de brousse. Comment ça se fait qu'Oscorp développe une arme biologique en pleine ville? Il devrait pas plutôt faire ça au pôle Nord? Norman prend très à cœur le souffle du diable, seul omnubile depuis des décennies. Ce projet va à l'encontre de toutes les lois fédérales et nationales existantes, mais il s'en fiche. Si ça commence à prendre, il peut dire adieu à sa réélection. Laissez tomber la réélection. Il serait jugé à la haie pour crime de guerre. Pourquoi vous me racontez tout ça? Vous êtes tout aussi responsable que Norman. Oui, effectivement. Mais les actes de Lee m'ont fait comme un électrochoc. On a trop longtemps négligé les risques. Je vous fais confiance, Spider-Man. Vous êtes le seul à vouloir faire ce qui est juste. Je vous en prie, protégez cette ville contre nos erreurs. Non, mais on va avancer un peu dans l'histoire principale, là, j'ai envie. Ça va, les Ketanex, on en a fait pas mal aujourd'hui. Là, je veux voir ce qui se passe, là. Sans arrêt ces temps-ci. Parlez. Monsieur Jameson, je voudrais m'excuser. Avant, je pensais que vous étiez un alarmiste. Mais regardez ce qui est arrivé à notre ville. J'ai peur de marcher dans la rue. Vous avez tout à fait raison.
Et j'accepte vos excuses. Le technicien orange là. C'est compréhensible. Vous vous êtes laissé embobiner par les médias de masse. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas de soucis. Consommez sans poser de questions. Je n'étais qu'une voix solitaire et isolée à l'époque, mais désormais, de plus en plus de gens comme vous réalisent s'il pouvait faire un jeu Superman amis, aussi bien que les nouveaux Spider-Man. En fait, ce qui est compliqué, c'est que Spider-Man, c'est le super-héros parfait pour faire un jeu vidéo parce que ça reste à l'échelle d'une ville. Tu vois, tu te balades dans la ville. Superman, il faudrait faire genre la planète entière, l'espace. Compliqué, hein. Parce que en étant Superman, t'as envie de pouvoir voler partout et d'aller dans l'espace d'un coup, sans temps de chargement. Passer de la petite ville à d'un coup, t'es dans l'hyperespace et tout, là. Non, pas dans l'atmosphère et tout ça, je veux dire. Dans l'hyperespace, ça va, le mec. Et dans Star Wars. Superman de base, c'est que dans la ville. Oui, mais il y a quand même des menaces qui viennent... Enfin, Superman a des menaces, des ennemis plus importants que ceux de Spider-Man, techniquement parlant. Par exemple, s'il y a Zod qui se ramène, t'es obligé de détruire la moitié de la ville et d'aller te battre à moitié dans l'espace. Oh non. Donc, bam. Plus de souffle du diable. Il faut que j'appelle MJ pour la prévenir. Oh, le costume est magnifique. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Laissez-moi un message détaillé et je vous rappellerai dès que possible. Qu'est-ce que tu fabriques, MJ? Oh non, une phase de gameplay avec MJ. Oh non, la phase de gameplay avec MJ. Bah, ils peuvent très bien le faire jeune quand il apprend ses pouvoirs et réduire l'échelle. Ouais, c'est vrai. Je ferais peut-être mieux d'appeler Peter pour le tenir au courant. Non, c'est pas la peine. Il me conseillerait probablement de rentrer chez moi et de me coller à l'ordi. Je regarde vite fait et je le préviens si je trouve quelque chose. Ouais, de fou. De fou, hein. La nanotechnologie brevetée Oscorp peut multiplier la vitesse de rétalage par munition intelligente brevetée Oscorp équipée de capteurs. C'est des missiles, c'est des missiles ça. C'est pas dingue. Il y a quelques années à peine, le camouflage optique n'était qu'un fantasme de science-fiction. Mais avec les dispositifs de résonance magnétique brevetée Oscorp. Eh, hey, c'était moi, poussez tout. Essayez par vous-même. Vous ne devrez pas avoir grand chose. Jour après jour, Oscorp améliore votre quotidien. Incroyable. Ce dispositif de dispersion Gaïa libère dans l'atmosphère microbes génétiquement modifiés. Résultat, nos rivières et nos océans sont encore plus propres qu'avant. Envie d'être holographique. Ah. Monsieur Lee. Ce sera plus facile pour tout le monde si vous restez calme et faites ce que je dis. Police ! Aidez-moi ! Non ! Oh non, les dernières itérations de base sont en ta principale, c'est son meilleur ami Lex Luthor. Donc ça marche bien. Ouais, mais du coup, je trouve ça bizarre. Plus les combats dans l'espace, ou dans des champs de blé, ça passe. Ouais. C'est pareil, il faudrait une map. Même si ça reste dans une ville, il faudrait faire une map immense. Parce que du coup, t'as envie de voler à la vitesse supersonique, et du coup, tu vas passer toute la map en une demi-seconde. Sauf si, encore une fois, oui, après, il est jeune, mais même quand il est jeune, il sait voler très vite, quoi. Je voudrais parler à Monsieur Osborne. Qui le demande? La personne qu'il recherche. Que voulez-vous? Je veux vous voir à la gare de Grande Centrale dans 30 minutes. Venez seul. Ou vous aurez plus de sang sur les mains. C'est chiant ça. Un peu là. MJ, je suis en route là. T'es blessé?
Non, je vais bien. Dépêche-toi. Je fais le plus vite possible. Qu'est-ce que tu fabriques à la gare? Je t'expliquerai plus tard. Écoute, Lee est sur le point de libérer le souffle du diable. Il faut que tu fixes le corps. Il fera rien tant que Norman Osborn sera pas là. Attends, ça devait être le plan de Lee depuis le début. Rendre Norman responsable en le forçant à relâcher lui-même le souffle du diable. Je comprends la logique. Enfin, une logique de malade mentale. Ok, j'y suis. J'entre dans la gare. Est-ce que je dois me méfier de quelque chose? Il a des drones qui montent la garde. Je crois qu'il s'attend à ta visite. T'inquiète, je suis dans le système de ventilation. Tu vois une sortie qui craint rien? Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. À l'angle sud-ouest. Ok, j'arrive. Donc un dev le jeu sur le moteur de Star Citizen, ouais, je pense, hein. Bah, j'étais là quand t'as commencé à jouer tout à l'heure. Oh, let's go. Plus, les drones vont me repérer. Tu vois la tablette que j'ai devant moi? C'est la commande des drones. Tu pourras l'attraper? Oui, à condition que tu détournes leur attention. Et sans te faire tuer. Je suis prêt. Fais-moi signe. Ok. Je suis prête. Attention! Seconde! Genre, ils y vont assis en mode... Oh là! Va bouger. Ok. Bouge. Okay. Pipou, pipou, pou. Non, je les laisserai pas me tuer sans rien faire. Arrête, arrête d'être con! Ouais. J'entends mon inichon. Non! On va tous non, de non! Quoi, t'as plus? Je suis journaliste. Ah. Je suis en contact avec le maire Osborn. Je peux faire en sorte qu'il arrive. Dans les temps. Comment? D'abord, lâchez-le. Michelson. Le journaliste dit que le peu, j'ai pas eu le temps de lire. Oh non! Oui, bon, ben ça va aussi. Arrête de me pousser, sinon je vais te frapper. Te frapper comme un sac de frappe. Je sais pas, je suis l'humeur tatine, ouais, c'est ça, ouais, je sais pas chanter, alors je fais des petites phrases un peu chantonninou. Comment ça saute? Comment ça, mon œuf? Saute là, en bas, ok, on a tout à l'air d'aller super. Je dois pas me faire voir. Va te faire... Je peux pas bouger, je pouvais pas bouger. Je dois pas me faire voir. Pipou, 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 pipou. Ta-da-ta-ta. Oh merde! À couvert. Oui. Il faut pas traîner. Ok. J'espère que c'est fun pour toi, en tout cas, parce que j'avoue, je crève de rire. Pour moi, c'est super chiant. Maintenant, faut que tu sortes ici. Non. Pas chier. On peut voir ça plus tard. Si on n'aide pas ces gens, ils vont mourir. Toi aussi. Et je me le pardonnerai pas. Non. Non, je me suis mise dans cette situation, je m'en sortirai. Comment ça, tu t'es mise dans cette situation? MJ, tu es casse-cou. En silence. Okay, pardon. Ils sont encore trop proches. Ah merde! Là, ils peuvent encore se voir. Ça a marché. Attaque! Ah, c'est pas moi qui dois attaquer! Oh merde, j'ai failli overcapter la mission! Élimine-le! Attaque! Attaque, Spidey Tutu! Spidey Tutu! Le Spidey Klebs! Spidey Klebs! Spidey Klebs! Je vais essayer de les séparer! Oh mon dieu! Le true to kill! NG, tu savais que Lee allait venir? Pas vraiment. Vas-y, fume! Je me disais qu'il allait se passer un truc, mais je pensais pas à ça.
Pourquoi tu m'as rien dit? Je croyais qu'on était partenaires. Les partenaires se font confiance, Peter. Comment ça? Je te fais confiance? Ouais, je suis chez moi, assise devant l'ordi. Arrête! On peut retourner sauver la ville, si ça te dérange pas. Genre! Bon, en vrai, il devrait quand même se faire cramer, je pense, mais enfin bon. Chiffre redonné avec l'encodeur Cerber d'Oscor. Le seul algorithme du monde mathématiquement prouvé inviolable. Chope-le. Chope-le, Spidey-Titu, chope-le. Oh, fuck. Des petites coupures aux blessures par balles, la nanotechnologie brevetée Oscorp peut multiplier la vitesse de rétablissement par 1000. Plus qu'une simple histoire d'argent, nous vous faisons gagner du temps. Je suis enfin rentré. Phew! Salut Mooney. Élimine-le. Wow. Je ferai plus, je voulais voir ce que ça faisait. T'inquiète pas, je l'ai mis, c'est que ça m'a fait un peu rire. Mais c'est juste, c'est un peu chiant quand je sais pas trop le faire. Oh, comment faire? Comme Sius. Chope le bon tutu. Chope celui devant moi, là. Superbe. C'est superbe. Oh mon dieu! C'est... Oh fuck! Chope-le. Heureusement qu'ils sont bêtes. Je pleure un peu là. Kiki! Spider! Oh, Spidey con là. Donc, je te l'emmène, c'est ça. Tu veux pas le choper? Voilà. Super. Oui, mais t'es cool, mais qu'est-ce que fait mal au crâne? Ah ouais, comment ça il fait mal au crâne? Pourquoi? De quoi donc ce qu'est-ce? C'est pas le mode chance, c'est le mode américain en fait. Ouais, je sais pas, c'est parti comme ça, je suis désolé. C'est le dernier Ghibli. Ghibli. Lancez le décompte. Ghibli. D'ailleurs, oui, c'est vrai que nous on dit Ghibli, mais en japonais ça se dit Ghibli. Hein. Donc. Le moment de. Oh pétard, j'y vais. Peter! Notice me! Détourne leur attention, je m'occupe du souffle du diable. T'es sûr de ce que tu fais? Non. Non. Mais... Oh, ok. Les bleus doivent être branchés sur la batterie. Et le jaune, c'est la ventilation. Ok. Le rouge a un point d'exclamation. Ok. Pour commencer, tu dois retirer les fils de la batterie. Tu suis les fils de l'autre côté, et après tu pourras les débrancher. Ok. Débrancher les fils de la batterie. Je comprends pas. Retirer les voilà. Fils de la batterie. Merde, okay, la batterie. Tac tac. Hop 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 lui. Ok, j'ai enlevé un fil. Alors on le deuxième.
Et ensuite, là, tac, 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 lui. Quoi ? Le décompte vient de passer à 30 secondes. Ah, c'est un circuit de secours. Et après ? Le ventilo ? Oui, et ensuite le dernier fil. Mais il faut pas que tu traînes. Bon, maintenant le rouge. Ça y est. T'as réussi ? Ouais. Maintenant, faut faire évacuer les gens. J'aurais besoin d'un speeder. J'ai mis du temps à comprendre où il voulait en venir. Il ne restait plus que 30 minutes et je n'étais toujours pas certaine d'avoir compris. En plus, le héron m'a trop bas. Mais comment ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, comment ça ? Libérer le passage. Essaye de rester discret. Ça marche. Discret, on a dit, d'accord. Discretos. Faire attention ou ils vont s'en prendre aux otages. Je ne sais pas spoiler le film quand même. Non, 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 mais je veux dire, comment ça il t'a... Chou, c'était tendu. Heureusement qu'ils sont pas très réactifs, hein, parce que... terroriser New York. Je peux faire une petite... Je peux faire une petite guirlande. Regardez. Oh, c'est chou. Oh non, c'est chou comme tout. Mais du coup, les drones, ils servent à rien, en fait, du coup. On les a désactivés? Je sais plus. Je me rappelle plus de ce qu'on fait, donc... Je me rappelle plus de ce qui se passe, de toute manière, donc bon. Fisk aurait jamais fait ce genre de prise d'otage. Ça me fait mal de l'admettre, mais je préférais qu'on s'était lu. Oh merde. C'est pas ce que je voulais faire. Wow! Ok, MJ, allez-y! Bien reçu! Bon, la discrétion en passera, mais. Suivez-moi, par ici! Le héron a des dents, You. Plus, il a une des scènes avec plein plein d'animaux. Il y a eu des scènes avec plein plein d'animaux, ça grouillait, ça me dégoûte. Tout ce qui grouille me met tellement mal à l'aise. Genre même plein d'humains, ça me... You. La description à son prime. La discrétion à son prime. Zo pas bon, gars. Ouais. Vous en êtes sorti? Ouais. Tout le monde est en lieu sûr. Bien joué. Hey, Peter. Ouais. Quand t'auras fini de ton côté, il faudra qu'on parle. Ouais. Ce sera bien. Mais d'abord, trouve Lee et mets-lui une raclée. Si MJ a une dent contre quelqu'un, j'aimerais pas être à sa place. Là, je me sens pas hyper tranquille. Hop. Oh la vache. Non, je me suis... Merdez. Ok, c'est l'heure du point culture. Saviez-vous que Grand Central possédait le plus grand sous-sol de tout New York ? Non, je savais pas ça. C'est fou, hein ? On pourrait gagner la moitié du pont de Brooklyn là-dedans. Qui me tire dessus ? Wow ! Ah bah oui, à qui le dites-vous ? On en fait plus des comme ça. C'est que les New Yorkais avaient la niaque à cette époque. Wow ! Enfin bref. On pourrait raconter des anecdotes jusqu'à demain, mais je dois empêcher votre taré de patron de détruire la ville. On finit vite fait.
Je dodge. Hop. Il est marrant le mot grouillé. Bon, oh, il est plus marrant comme pantoufle. Wow. Il a prévu un train pour s'enfuir. Je dois pas le laisser filer. Je comprends pas. S'il faut que je fasse quoi? Où ça? Qui? Wow! L'accès au quai est ouvert. Lui doit se trouver par là. Arrête de tirer des roquettes, tu vois bien que tu te fais mal à toi-même. C'est où l'accès au quai? Ah, c'est là! Salut les cons! Le train de marre, il va m'échapper! Ouf! Oh, alors attendez, je lis les messages. Non, il est cracra le mot Burke. C'est la gare de Madagascar? Oui, c'est la grande gare centrale. C'est le, ou celui où Alex se prend un coup dans les rouges-tons. Dans les rouges-tons. Pardon pour le retard! Mauvaise habitude. Oh, le costume est magnifique. Ok. Je peux pas bouger. C'est très frustrant de jouer Spider-Man et de devoir conduire dans un petit couloir sans qu'on t'accorde aucun mouvement. Là. Ah. Wow. C'est pas mieux de rester à distance. Ouh. Ok, j'ai pas eu le temps de... Wow. 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 Je dois faire vite avant qu'il les récupère. S'épuise, on dirait. Oh la vache! J'ai mal fait. Il est vulnérable. Us. Je dois attendre le bon moment. Alors? On a plus d'énergie? On s'est pas visé? Alors? Oui, ok. Maintenant ou jamais. Vous êtes malade, je peux vous aider, Martin. Martin. Ah non, là, il y a des gens. Oh oui. On est reparti pour une phase de gameplay pas drôle. Oh. Is ba bip boop. Vous faire de mal. Rien ne peut me faire mal. Ah ouais, on va voir. Non.
c'est Martin Lee, le mec qui s'occupe du refuge. Appelle Monsieur Lee, le mec qui s'occupe de, du refuge Fist. Là où travaille Tante May. Et lui, le patron. Et là, c'est devenu monsieur négatif. Oui, la fameuse. Bien sûr que je me souviens. La dernière fois, ça avait marché. Yuri, il y a toujours des travaux à l'angle de la 42e. Ouais, la rue est fermée pour un mois encore. Pourquoi ? Évidemment que tu te souviens, Mooney. Prochain arrêt, la prison. Pétard. Ok. Le combat était pas insane, j'avoue. Salut les vagues, comment ça va? Au revoir, monsieur. Ramenez ça tout de suite au labo. Oui, oui. Ramenez le souffle du dragon à la maison. Ramenez le souffle du dragon. Allez les blancs, allez ramenez le souffle du dragon. Boîte vocale de Mary Jane Watson. Ah oui, bon, c'est bon, bah, bien sûr. Ouais, toi, t'es pas censé pas live. Salut, c'est moi. Mais, dis-moi quand tu voudras. Encore une fois, non, il faut écouter quand on parle. J'ai pas dit que je liveais pas. J'ai dit que je liveais pas cet après-midi. Dans le message, c'est écrit pas de stream cet après-midi. On se retrouve ce soir pour Spider-Man. Après, c'est pas grave. Si... je vais pas vous juger parce que vous savez pas lire, je suis dyslexique. Faites un effort. Parlez. Faites un effort. Du de fort. Pas encore prête à parler. Les textos, ça compte pas? Oh là 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 là. C'est elle qui a dit après, il faut qu'on parle. Et là, pas encore prête à parler. Oh là là. Non, 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 c'est pas ce que je voulais dire. Oh. Oh. Là, je dis ok, d'accord. OMG, la merde, hein. Vivement Gwen. Hein. Réponds non, réponds non. Ah, ok, ça va. Bah non, ça va pas. Mais à quoi de toute façon, c'est déjà fini, vous êtes déjà séparés. Je veux dire, vous êtes séparés là. Tu crois? Mais c'est une sale merde. Pourquoi elle est comme ça? Tu peux dire je t'appelle peut-être demain, pas je t'appelle demain. Peut-être. MJ pétasse. Non mais vraiment, genre là tu pouvais juste dire il faut encore que je travaille. Je t'appellerai peut-être demain. Vous avez et là Lee est en route pour le raft. Sable à le souffle du diable. Attends, ta gueule, deux minutes là. Débloque une tenue là, vite fait là. Attends. You! Arrêtez de lui faire des armures avec des cols et tout. C'est comme lequel serait celui-là? Moi j'aime bien, noir et jaune, j'adore. Les yeux, bon, il y a un délire, pourquoi pas. Mais pourquoi vous lui avez fait un col? Pourquoi c'est de l'armure en plastique et tout? On veut juste des costumes, nous. Oh, ça c'est immonde aussi. Ça. Bon, ça c'est Scarlet Spider, d'accord et tout, mais. Oh. Oh, bah c'est vraiment le meilleur et c'est moi qui l'ai rajouté. Et je comprends pas. Ah, je peux les acheter. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui nous tente là? Non. Hein. Oh, il y a le classico quoi. Spider-Man négatif, d'accord. Il y a celui de Tom Holland. Le noir, il est stylé. Le négatif, là? Ou le blanc et noir, comme ça? Tu vois, celui-là, très... tu vois, c'est pareil, tu vois? Oh, la vie de ma mère. Très stylé, mais les yeux, pourquoi faire des yeux comme ça, là? Tu vois, là, j'ai hâte de voir ce que ça donne, là.
Ouais, pas trop mal, mais c'est pas encore... C'est pas beau. Non, ils sont chiants les hétéros, oui. C'est dommage, ils sont pas dingues les costumes. Bah non, hein. Ouais, le blanc noir, pas mal. Le blanc noir comme ça. Comment ça, comme ça? Ouais, je suis allé trop vite. Non, mais je pense que... pour le... On va prendre celui-là parce que c'est le OG. Voilà. On prend celui-là parce que c'est le... Arrêtez! Parce que c'est le OG de Tom Holland. Comme ça, on a les OG de tous les Spider-Man. À peu près, enfin, je veux dire... on a le OG, le vrai costume... Arrêtez. Le vrai costume Spider-Man. Le premier costume de Tom Holland. Enfin, pas vraiment parce qu'il est là, le premier, mais voilà. Le premier costume de Tobey Maguire. Et le premier de... Andrew Garfield. Comme ça, on a des bonnes bases. Celui du jeu aussi est stylé. Hein. Je dois avouer qu'il est bien stylé. Celui de Tom Holland en noir, comme ça aussi. Non, mais un coup celui-là, là, juste pour voir un peu. Appelle un speeder compagnon pour vous aider en combat. Projette dans les airs entre les ennemis autour de vous. Alors là... Blanc avec les yeux mouches. Ah, avec les yeux mouches. Il est un peu stylé quand même celui-là de Tom Holland. En noir et rouge là. Je vous fais la version longue ? Pas le temps. Plus vous jouez les héros, plus j'ai de la paperasse à remplir. Mais je voulais vous dire, beau travail. Merci Yuri. J'avais besoin de l'entendre. Pendant que j'étais avec Lee, je me suis pas occupé de la ville. Il est temps de retrouver l'araignée sympa du noir et rouge, c'est stylé quand même. Pétard. On va laisser activer la petite tour là-bas, là. Ce... À toutes les unités, des agents ont pris en charge des terroristes armés d'une bombe. Le signalement provient voilà. De Clinton. Terminé. Même les hommes tôt. C'est trop apaisant de le voir se balancer. Non, mais c'est... Et à le faire, c'est... Spider-Man, la police et les démons. Une fois de plus, l'araignée a envenimé une situation déjà tendue. Et nous avons un témoin d'une grande intelligence qui ne dira pas le contraire. J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Oui, monsieur Jameson. J'allais tranquillement au boulot et j'ai failli me faire renverser. Ah non. On dit que Spider-Man a sauvé la personne kidnappée. Très bien, tant mieux. Mais moi, j'aurais pu me faire tuer. Vous n'êtes pas le seul. C'est le problème avec Zinzin masqué. Zinzin masqué. Leurs efforts bloquent des rues, posent des herses. Bref, c'est une équipe. Spider-Man est un nombriliste qui ne pense qu'à une seule chose. Spider-Man. Et vous avez failli le payer de votre vie. Zinzin masqué. Quelle est votre situation? Les démons attaquent l'avant-poste Roméo. Envoyez des renforts. Pétard. Je dois intervenir avant que ça tourne vraiment mal. Hey, les salut les cons! Pour les barbecues, pas pour les fusillades! C'est le bordel! La dinguerie! Ah, les regards de sable emplis de gratitude. C'est la plus belle des récompenses. À moins qu'ils soient juste constipés. On va aller voir si on peut voir le truc de Black Cat là. Et où? Là-haut. Félicia a l'air bien occupée. T'en es où dans l'histoire? Tu sais après. Normalement. Ah ok, attendez. Je fais ça et on regarde.
Encore un char. J'ai Cornelius Van Lund. Je l'ai trouvé. Elle s'attaque à une caisse unique. Elle travaille forcément pour quelqu'un. Sinon... Sauvegarde manuelle. Hop. J'en suis à 54% du jeu. Voilà. Elles veulent arrêter de l'argent. Sachant qu'avec la version Spider-Man Remastered, donc que tu peux acheter, voilà, t'as tous les DLC déjà dedans. Donc en gros, je suis à 54% du jeu, mais de l'histoire principale. Ça compte pas les DLC. Plus. Que je voulais faire. Pas de drone là. Ah, c'est là-haut. Je reconnais ce mode opératoire. 250%. Ok, ok, ok. Il sert d'un drone pour semer des caméras espions. Encore plein de beaux lives en perspective. J'espère, hein, si le PC meurt pas avant, bien sûr. Parce qu'il en fait du bruit quand je suis sur Speedrun. Pétain. Je suis le drone en train de déployer. J'ai pas compris. C'est dur. Oh, c'est dur. C'est dur parce que tu peux pas vraiment contrôler non plus exactement où tu veux aller. Donc des fois c'est un peu tendu. Tu m'étonnes que j'ai bronze là, c'était nul à chier ce que j'en prenais. Tu as du talent. Bof, hein. J'ai du talent, moi aussi. J'aurais dû lire, moi je pense. Moi qui supportais déjà pas le télémarketing. Bon, j'ai viré ces caméras espions. Je pense que j'aurais dû lire. Tu sais ce qui me plaît chez toi, petit. Tu t'améliores toujours. Wow. Merci, harceleur mystérieux. Tu peux m'appeler Taskmaster. Ça veut dire chef de corvée, c'est ça? Ça vous va super bien. Un groupe de mercenaires est en train de commettre des crimes à travers la ville. Ces fameux mercenaires, ce serait pas tes mercenaires par hasard? Je comprends pas ce que je dois prendre en photo. Non, je sais juste qu'ils touchent une belle somme pour leur travail. À moins que tu n'interviennes, bien sûr. Qu'est-ce que tu gagnes? Je profite du spectacle et j'apprends. Comment tout le monde a son numéro? C'est grave quand même, non? Ah non, c'est une radio, donc les gens trouvent son canal, mais c'est grave quand même. Son arrestation. Oui, c'est super qu'il soit en prison, mais
mais réfléchissez à toutes ces choses qu'on ignorait. Combien de temps a-t-il été suspecté sans qu'on nous dise quoi que ce soit? Combien de temps a-t-il été en possession d'une arme biologique capable de tous nous décimer? N'aurait-on pas dû nous en toucher un mot? Faire évacuer la ville, peut-être? Si on ne nous a pas donné les informations nécessaires pour nous protéger, nous et nos familles, ce n'est pas par accident. Quelqu'un a pris cette décision. Alors qui? La police? Le maire? En tout cas, je connais le nom d'un des coupables. Et ses initiales sont Spider-Man. Ses initiales, hein, oui. Pas aller à l'école longtemps, Jonah. James Jonah Jameson. Je suis loupé. Alors, pardon. Captain Pyjama, tu viens de m'appeler là? Captain Pyjama, t'es hyper drôle mon ref. Ça manque de fans hystériques et de haters sur son canal radio, j'avoue. J'avoue. Ils sont où là? Donnez la parole un peu. Pourquoi on voit pas? Pourquoi il peut pas ouvrir son téléphone et aller sur TikTok et voir les edits des gens qui veulent qu'il lui crush la gueule là? Oui, on voit pas les edits TikTok sur Spider-Man là. Ils sont où les edits là? Ils sont où les edits TikTok là? Il est où le sac? Il est en bas. La petite peluche. À toutes les unités, des terroristes masqués pourraient transporter une bombe. Le signalement a eu lieu à Nolita. C'est où Nolita? C'est là. Oh là là. Des démons dans les deux véhicules à l'avant. Et une bombe prête à exploser. Il faut que je les arrête. Wow, les gars, c'est sympa les parades, hein. Mais il faut un permis pour ça. Bim. Hop. Ah, bombe dans le camion. Je dois la désactiver. Encore des démons? Et vous savez que c'est dur de s'occuper de tout le monde individuellement? Arrêtez. Voilà, c'était la priorité, maintenant je peux m'occuper de vous. Y'a pas de problème. Bam! C'est pratique son costume à Tom Holland, hein. Pétard. Uff. Bien pratique le costume de Tom là. Intercepté. Il y a encore un petit chat, je vais trouver le chat. Putain, j'ai pas envie de m'arrêter, mais ça va faire 3 heures, mon PC va commencer à crever. Wow. Bon, ouais. Il y a beaucoup trop de balles qui sifflent dans les parages. Ouais, c'est pas ce que je vais faire, c'est pas ce que je vais faire. Que je vais faire. Aïe. Il se plaît à jouer. Voilà.
Les tricks, le tricks. MJ qui pose des edits en secret là. Nous allons la voir. Jory, il entrera dans le véhicule pour freiner. Ah, j'espère. Hein. Ouf. Tiens. Ils sont où là? Bon. Ah, je l'ai encore loupé. Tu dois sûrement te demander pourquoi j'ai replongé. Ma petite vie modèle a fini par m'ennuyer. Je cible les 50 millions. Cela dit, si tu m'attrapes avant, je rendrai tout et je ferai une croix sur cette carrière. T'as déjà dit ça. L'avenir est entre tes mains. 50 millions. 50 millions, on partage au pire. Ouais, les ornithologues. J'ai vu des pigeons par là. Je c'était pas la... ceux qui sont à l'intérieur. C'était rapide là. Oh, c'était rapide. On descend. Ok, on se fait ça et puis je pense que j'arrête. Parce que... MJ, trois heures. Au quatrième site de ta liste. Ils essaient même plus de sauver les apparences. C'est triste que les criminels ne tirent même plus de fierté de leur dur labeur. Je vais voir ce que je trouve. Là, je la fais discret. Là, je me fais pas repérer. Hein. Si je me fais repérer, je paye un sub. Qui n'est pas sub? Tout le monde est sub. Bon, et bah si... Ouais, allez. Merde, il va venir par là, lui. Zalar n'est pas sub. Oh, pétard. Ok. Moi, je suis pas sub. Oui, non, évidemment. 100% il se fait repérer. Alors là, dès qu'il y a de l'argent en jeu, moi... Tentant de renverser l'armoire quand même sur le mec, hein. C'est tentant, hein. Putain, mais comment je fais? Ils sont tous les uns à côté des autres, là. J'ai pas des leurres ou... C'est depuis de mon côté. Ouais, ça va partir en sub, hein, je pense. Hein.
Il y a un sub à Zalar là, je pense. Et dodo. Je suis pas fait repérer. Je suis pas fait repérer. Ah bah là si. Ah non, je suis dégoûté. L'échauffement est terminé. Bienvenue au spectacle aérien. Un peu dommage. Je suis dégoûté parce que je m'en sortais pas si mal. Que vous êtes au taquet, parce que vos copains là, grosse déception. Visiteur, apparemment cet endroit importe des souvenirs pour les boutiques de Chinatown. Ce qu'ils importent n'est pas vraiment ce que j'ai envie d'avoir chez moi comme souvenir. De la drogue? Des démons. On dirait qu'ils font venir leurs petits copains dans des conteneurs. Maintenant qu'on retrouve chez nous des criminels chevronnés étrangers. Vous avez l'air fâché. Moi j'avoue, j'ai épuisé toutes les bonnes vannes sur le dos. Mais ça me dérange pas de répéter. Vous avez l'air fâché. Son quatrième rappel et que toi t'as juste envie de rentrer. Qu'est-ce qu'il escalade qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce que tu fais mon ref? C'est moi qui escalade ici. Voilà, pas faire repérer moi. Bon bah d'accord. D'accord. Comment on offre un sub si on n'est pas directement sur Twitch? Je peux offrir un sub si je suis pas directement sur la Twitch là? Je peux offrir un sub depuis ici moi? Offrir un abonnement? Ouais je peux. C'est chiant. Si vous êtes chiant. Si, je colomise pour un PC. Hein. Ça me met dans la merde là. Ah putain. Je sais pas si je peux me le permettre. Hein. Aïe. Comment je choisis? Attendez, parce que moi je sais pas faire moi. Comment je choisis à qui je l'offre? Comment on choisit? Attends. C'est gratuit, Kevin. Pour moi, non, hein, c'est pas gratuit. Hein. Même parce que je récupère que la moitié. Hein. Je paye 4 balles, je récupère que la moitié, donc c'est pas gratuit. Hein. C'est pas choisir un dessinateur. C'est la...
Zalar. Zalar. J'espère que c'est lui. Zalar, ta pépé, c'est un renard ? On dirait un renard. C'est un renard, Zalar, ta pépé, on est d'accord ou pas ? Non, que j'offre pas un sub à quelqu'un que je connais pas, quoi. Enfin... Oui, ok. Faire un abonnement de niveau 1, j'accepte et je paye. Ça va faire... Let's go! C'est super, Zala, c'est super. Merci pour le sub, moi. Merci pour le sub police. Gift, moi. Les démons sont neutralisés. N'oublie pas de me ramener un petit souvenir. C'est la première fois que je fais un sub gift sur ma chaîne. Zalar, tu es le premier. Merci d'être naze sur... Attends, naze, je m'en sortais super bien. Ils étaient tous collés les uns les autres, arrêtez, c'était difficile. C'était dur, là, c'était dur. Bon, il est super son costume, mais j'aime trop, je suis désolé. Compétence. On a de la compétence, là. Bon, attendez, on va essayer de rattraper un peu les arbres qu'on n'a pas encore eu. Là, je vais économiser un point pour pouvoir le mettre là. Comment ça, compétence nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a eu, quoi ? Comment ça, nouveau ? Ah, parce que j'ai un... parce que j'ai un point, c'est ça ? Enfin, bref ! La team, on va s'arrêter là. Hein. La teams. Quoi, non, je refuse. Je m'endors sur quoi, moi, si t'es pas là? Non, j'ai dit qu'on allait s'arrêter là pour Spider-Man.